Les monastères que nous trouvâmes à notre arrivée au Wadi Natroun étaient dans un état lamentable, eux qui avaient jadis été le centre du monachisme mondial. Au monastère Saint-Macaire, Abou Makar, quelques moines menaient une vie extrêmement précaire, ne mangeant pas à leur faim et pratiquant une ascèse forcée. Chaque jour, ils guettaient le passage des caravanes, surtout de celles qui, périodiquement, leur apportaient des provisions. Leurs vêtements, qui avaient été noirs, étaient devenus gris pâle. Certains n'étaient vêtus que de haillons. Leurs cellules étaient très dégradées et fort vétustes. De l'extérieur, on les aurait pris pour de simples ruines ayant épousé la couleur jaune du sable du désert. Ce récit d'un voyageur daté des années 50 est éloquent. Les prestigieux monastères du désert du Wadi Natroun, anciennement nommé désert de Sété, étaient tous en perdition au milieu du siècle dernier. Le plus important et le plus célèbre d'entre eux, le Der Abou Makar, le monastère Saint-Macaire, fondé par Saint-Macaire lui-même au IVe siècle, était en partie en ruine et menacé par les sables. Quand le père Matalmeskin est arrivé, il y avait uniquement le monastère lui-même qui était le sixième de ce qu'il est actuellement. C'est-à-dire c'était un tout petit carré qui entoure les églises qui sont actuellement au centre du monastère. Et comme vous pouvez voir, il y a une différence de niveau de 6 mètres de haut entre la partie ancienne où il y avait les églises et qui existait en 1969, au moment de l'arrivée du père Matalmeskin, et entre le reste du monastère que nous avons bâti tout autour. Pourquoi ? Parce que l'ancien monastère s'enlisait. Si vous calculez 1 cm de sable par année, depuis le temps de Saint-Macaire, c'est-à-dire depuis 1600 ans, ça fait 1600 cm, ça fait 16 mètres de sable. Il y avait pas mal, près de 12 mètres de sable qui était amoncelé contre la muraille. La muraille avait 12 mètres de haut et on pouvait facilement grimper sur le sable et arriver au sommet de la muraille et descendre dans l'ancien monastère. Le monastère Saint-Macaire a été fondé en 360 par Saint-Macaire le Grand, l'un des premiers disciples de Saint-Antoine, le premier des pères du désert. Mais remontons dans le temps. Saint-Macaire naquit en l'an 300 dans un village du delta du Nil et exerça d'abord la profession de chamelier. Obéissant à un appel de Dieu, il se retira seul dans une cellule de son village pour y mener une vie ascétique et de prière. Puis il se rendit au désert de Sété, région aride et inhospitalière, qu'il connaissait pour y avoir exploité le nitre. Il était alors âgé de 30 ans et s'adonna aux travaux de l'ascèse. Il ne se nourrissait que du strict nécessaire, dormait assis contre le mur de sa cellule quelques brefs instants et persévérait constamment dans le silence, dans la garde de l'esprit de toute pensée étrangère et dans la prière du cœur. Attiré par la réputation de Saint-Macaire et des disciples qui l'avaient rejoint, des hommes accoururent de toutes les parties de l'Égypte et des contrées éloignées de l'Empire pour y embrasser la vie monastique. Égyptiens, Grecs, Éthiopiens, Arméniens, Nubiens, Asiates, Palestiniens, Italiens, Gaulois ou Espagnols. On y rencontrait des savants, des philosophes, des membres de la plus haute aristocratie de l'époque, à côté de simples fellahs analphabètes. Le désert devint une véritable ville, si bien qu'à la fin du siècle, on comptait à Sété 4 églises où les ascètes se réunissaient par centaines chaque dimanche.
Samaker le Grand, celui qu'on appelait le père spirituel du désert, remit son âme au Seigneur, entouré de ses disciples, à l'âge de 90 ans. Du IVe siècle jusqu'à aujourd'hui, le monastère a toujours été habité par des moines. Nous sommes ici dans la grande église de Saint-Macaire, qui a été bâtie au temps même de Saint-Macaire au IVe siècle. Et Saint-Macaire a vécu ici de 340 à 390. L'église a été bâtie au temps de Saint-Macaire, mais au cours de l'histoire, elle a été restaurée plusieurs fois, au moins 5 ou 6 fois, elle a été rebâtie, toujours sur le même emplacement et avec souvent les mêmes matériaux. La dernière fois, ça a été en 1976. Nous avons restauré l'église et à ce moment, nous avons dû creuser ici pour renforcer les fondations. Et en creusant, nous avons retrouvé cette crypte. Nous savions, par la tradition, que les reliques de Saint Jean-Baptiste, le corps, pas la tête, se trouvent sous ce mur nord de l'église de Saint-Macaire. Cela est connu par les manuscrits qui datent du Moyen-Âge, des homélières. À la suite de l'homélie pour Saint Jean-Baptiste, on dit que son corps se trouve dans la grande église de Saint-Macaire sous le mur nord. Et toujours durant la liturgie, les moines, les anciens moines que nous avons rencontrés en venant ici, avaient l'habitude durant la liturgie de présenter l'encens à ce mur nord en l'honneur de Jean-Baptiste qui y était enterré. Mais personne n'avait jamais songé à faire une excavation. Et c'est en 1976, en creusant pour renforcer les fondations, que nous avons trouvé cette crypte. Ce n'était pas uniquement les corps de Jean-Baptiste et d'Élisée, mais enfin tout le reliquaire de la grande église d'Alexandrie, qui contenait un grand nombre de martyrs. Nous avons aussi dans cette église les reliques de Saint-Macaire, Saint-Macaire le Grand et Saint-Macaire d'Alexandrie, son disciple et contemporain. L'église qui conserve les reliques des premiers saints, ces reliques représentent pour elle la communion que nous avons, que nous gardons avec les premières communautés chrétiennes. Nous avons aussi dans une église à côté, celle des 49 martyrs, les reliques de 49 moines qui ont été martyrisés au 5e siècle. Les reliques de ces moines martyrs sont très chères à notre communauté. Pourquoi ? Parce que justement, ils font le lien entre les saints normaux et les saints martyrs. Enfin, entre l'ordre des moines et l'ordre des martyrs. Ce sont des moines qui sont devenus martyrs. Il faut vous expliquer que l'idéal du moine, c'est le même idéal que celui du martyr. Il faut savoir aussi que la vie monastique n'a commencé à être prospère qu'après la fin des persécutions. Quand il n'a plus été possible de mourir martyr parce qu'il n'y avait plus de persécuteurs, les chrétiens les plus fervents sont partis dans le désert pour vivre pour le Seigneur, pour offrir leur vie au Seigneur. Quand il n'est plus possible de mourir par amour pour le Seigneur, au moins vivons par amour pour lui.
L'histoire de la renaissance du monastère est inséparable de celle de l'une des plus grandes figures coptes orthodoxes contemporaines, le père Matta El Meskin. Youssef Iskandar naît au Caire le 20 septembre 1919. Il obtient sa licence en pharmacologie en 1943 et crée l'une des plus importantes pharmacies de Damanhour. En 1948, en réponse à l'appel de Dieu, il vend sa pharmacie et tout ce qu'il possède, distribue l'argent aux pauvres et devient moine au monastère d'Eramba Samuel. Là, durant 3 années, il ne cesse de veiller chaque nuit jusqu'au matin en s'adonnant à la prière fervente, à la méditation de l'écriture et des écrits des pères sur la prière. Ses notes, prises durant ses nuits de solitude, sont à l'origine de son premier et plus important ouvrage, La vie de prière orthodoxe. Sa santé s'étant gravement affaiblie par ce régime sévère, on l'oblige à descendre au Caire, puis son père spirituel, le futur patriarche Cyril VI, l'envoie au Deir el-Souriane, où il vivra en solitaire dans une grotte. Nombreux deviennent ses disciples, reconnaissant en lui l'esprit des premiers pères du désert. En 1954, il est appelé par le patriarche Youssef II à devenir son vicaire patriarcal à Alexandrie. Il y opère des réformes importantes qui enthousiasment le clergé, la jeunesse et l'ensemble des fidèles. Cette courte période passée à Alexandrie lui vaudra l'attachement du peuple chrétien de cette ville jusqu'à ses derniers jours. À partir de 1960, le père Matta El Meskin, suivi par une douzaine de disciples, s'installe dans les grottes du Wadi Rayan, l'un des déserts les plus inhospitaliers d'Égypte. Ils y vivront, une dizaine d'années, une vie en tout point semblable à celle des premiers pères du désert. Les compagnons du père Matta El Meskin restent marqués à jamais par ces années. Le père Kyrillus est l'igoumène actuel du monastère. أبونا مات المسكين كان صيدلي وأنا كنت صيدلي كنت في الصيدلة في كلية الصيدلة وقابلته ولسه راهب جديد خالص مبتدئ عند الأب مينا المتوحد القمص مينا المتوحد كان أبونا متى وقتها راهب برضو جديد خالص وأنا كنت زي ما بقول طالب فانجذبت بروحي له عشناه واختبرناه وبالأخص لما كنا عايشين معاه في وادي الريان أنا قعدت معاه في وادي الريان بس 3 سنين اللي هي الفترة الأخيرة من إقامتهم لأنهم قعدوا في وادي الريان 10 سنين أنا انضميت ليهم متأخر في 3 سنين الأخيرة ولكن فعلا عشت في مغارة معاهم لكن إزاي أنتوا كنتوا بتاكلوا الأكل يجي لكم إزاي يجي الأكل أهم الأكل هو الخبز والخبز
كان يرعانا في هذا المجال راجل تاجر اسمه أبو إليام في بلد اسمها الحجر والإيه اللي هي طرف الصحراء مع الفيوم، لدرجة إن ملناش حد يرتب لنا، مفيش زي الأديرة يبقى لها عزبة ويبعثوا للجبل، مفيش مين إحنا نقول الله الدي قرب يخلص. بص تلاقي الجمال جاية، وقبل أن ينتهي الدقيق نلاقي الدقيق التاني جاي مش أقل من 9 سنين، لدرجة أني بعض العرب والحراس بتوع الأثار واللي بيشتغلوا في جو الجبل هناك عند الفيوم جم عملوا رحلة لينا وقالوا لنا هذا السؤال، طب عايشين ازاي؟ نقول له ربنا بيبعت لنا الاكل. Abba Macaire le Grand disait aux frères à Sété, quand il congédiait l'assemblée, « Fuyez, frères !» L'un des anciens lui dit « Où pourrions-nous fuir au-delà de ce désert ?» Lui se mit le doigt sur la bouche et dit « C'est cela que vous devez fuir. » Puis il entrait dans sa cellule, fermait la porte et s'asseyait. C'est une expérience que souvent le novice reçoit et le jeune moine. De vivre plusieurs jours en voyant tout transfiguré. Le ciel est plus bleu que d'ordinaire. Les feuilles des herbes sont plus vertes que d'ordinaire. Le soleil est plus beau. Tout semble illuminé. C'est le sentiment de la présence de Dieu intérieure qui se reflète sur la création créée par Dieu et qui fait que toute la création nous parle de Dieu. Cette expérience, beaucoup d'entre nous l'ont vécue, certains en ont parlé intimement, d'autres la vivent en silence. Moi, je peux dire que je l'ai vécue dans les premiers jours où j'ai visité le Wadi Rayan. Je disais au père de là-bas, mais quel ciel bleu vous avez, c'est pas possible. Toute la nature semblait enchanteresse, enfin féerique. Mais ce n'était qu'un reflet de mon état intérieur. La lumière est intérieure. La lumière, c'est le Christ qui est la lumière qui illumine tout homme venant dans ce monde. Et c'est dans la mesure où on s'ouvre à lui, où on sent la lumière intérieure et par conséquent on voit tout illuminé. C'est-à-dire toute la création nous parle de Dieu et on voit Dieu même dans les feuilles des arbres. Au terme de ces 10 années passées dans le désert du Wadi Rayan, le patriarche Cyril VI appellera le père Mataïl Meskine et ses compagnons et leur confiera la mission de reconstruire le monastère Saint-Macaire, de faire redémarrer la vie monastique et, selon ses propres termes, de faire refleurir le désert. ولا يوجد معنا إلا قليل من القروش، وهذا تكلف ملايين الملايين. ولما جم يسألوا يعني شخصيات كبيرة في البترول والحاجات اللي احنا بنعملها، طب بتجيبوا الفلوس منين؟
نقول له أنت عندك ميزانية 10 مليون بتصرف منها إحنا عندنا يعني في نظركم صفر إحنا بنعتبرها دي نعمة الله نقعد نسأل نصرف 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 والآخر صرفنا 10 مليون جم إزاي هي دي بقى اللي إحنا هو ده الإيمان هي دي البركة وهو ده الإيمان اللي إحنا عايشين ما دام بنعمل حاجة يعني حسب ضميرنا حسب مشيئة الله يبقى هو يجيب لنا الفلوس فكان كل شيء في حياتنا يترتب من فوق مش على أما قصة العمال بقى إزاي يجي لها الفلوس طب مش هو ده الإيمان إحنا عندنا عمال هتنزل الأسبوع الجاي فمرة كنا واقفين هنا قصاد الباب وجي أبونا يوحنا بيعمل حساب فبيقول لأبونا الفلوس ناقصة 160 جنيه قالت طب أنا أعمل لك إيه لا عندنا عربية ولا عندنا تليفون فقال له آه الدكتور فاروق ده اللي جه زارني امبارح وتعزينا وكان لابس بلطو أبونا كده راح حاطط في جيبه حاجة وأبونا مش بيهمه فقال له روح كده شوف البلطو اللي معتعلق ده فراح مد ايده لا لفه فيها 160 جنيه فقال لنا شايفين بقى من اللي بيعمل الحسبه مش ابو يوحنا ده فوق واحد بيحسب ومثل هذا كان يتكرر مئات المرات Le monastère sera entièrement reconstruit en 6 ans et sa surface multipliée par 6. L'ensemble des constructions sera terminé en 1985. Durant cette période, 400 ouvriers travaillaient sur le chantier. Les constructions nouvelles comprennent plus de 200 cellules, chacune se composant d'une pièce pour le travail, d'une chambre à coucher, d'une salle d'eau et d'une cuisine. Un grand réfectoire permet aux moines de se rassembler une fois par jour pour le premier repas qui a lieu à midi. Celui-ci est composé essentiellement d'olives, de riz et de légumes. Le repas du soir est pris en solitude dans la cellule. Les moines jeûnent 200 jours par an. En période normale, ils jeûnent tous les mercredis et les vendredis. Une nouvelle bibliothèque a été construite, abritant les manuscrits les plus anciens du monastère, ainsi que des ouvrages plus récents. Il est rare de trouver des eucologes qui contiennent la messe en grec, parce que les coptes ont cessé de parler de grec. Une vaste hôtellerie, avec plusieurs salles de réception et de nombreuses chambres individuelles, accueille désormais les retraitants et les hôtes de passage. Dans le même temps, une restauration des anciens monuments du monastère a été entreprise sous le contrôle des meilleurs archéologues du service des Antiquités. Sur leur conseil, ont entrepris de restaurer et de consolider les monuments historiques et de détruire toutes les constructions récentes et délabrées. Depuis l'arrivée du père Mathael Maskin, les vocations n'ont pas cessé et la communauté compte aujourd'hui plus de 130 moines. La plupart d'entre eux ont terminé leurs études universitaires et ont pratiqué, avant d'entrer au monastère, diverses professions dans le monde, comme agronome, vétérinaire, médecin, professeur, pharmacien, ingénieur, etc. L'âge moyen au moment de l'admission est de 25 ans, il peut aller jusqu'à 35 ans. Les moines entrés ici depuis moins d'un an
porte l'habit bleu. Il est de couleur brune pour ceux qui sont ici entre 1 et 3 ans et noir au-delà des 3 ans. Tous essayent de vivre dans la plus grande union spirituelle selon l'esprit de l'Évangile en pratiquant ensemble l'amour fraternel et la prière incessante du cœur. Tous ont senti au moins une fois leur cœur battre par amour pour Dieu, critère de discernement pour l'admission des nouveaux candidats. Le renouveau du monastère Saint-Macaire se manifeste aussi par une pratique attentive de l'office et des autres prières liturgiques, car les moines s'attachent, tant par la pratique que par l'étude assidue, à rendre à l'Église l'authentique esprit ecclésial des premiers siècles. Des plantations et des élevages s'étendent aujourd'hui sur plus de 1200 hectares. Dès 1975, les moines ont commencé à planter les terrains désertiques autour du monastère. On y planta tout d'abord des arbres fruitiers, divers types de fourrage et de pastèques. Puis, de grandes fermes furent bâties à 1 km au nord du monastère pour le gros bétail, le menu bétail et la volaille. Aujourd'hui, les poulaillers du monastère comptent plus de 55 000 poules, assurant une production journalière de 40 000 œufs. 500 sont conservés par le monastère pour sa consommation propre, le reste est vendu à l'extérieur. Dans le même temps, des dattiers ont été plantés en grand nombre sur le domaine. L'usine de dattes du monastère est aujourd'hui la plus importante d'Égypte, avec une production annuelle variant entre 200 et 300 tonnes. La récolte des dattes a lieu en octobre et dure 40 jours. 40 personnes travaillent à l'usine sur cette période. Le gouvernement égyptien a été particulièrement sensible aux efforts des moines qui ont apporté une contribution décisive aux problèmes alimentaires de l'Égypte, notamment grâce à l'introduction de nouvelles espèces de bétail, de volailles et de plantations. Et en particulier grâce à la création d'un nouveau type de betterave fourragère, promettant, une fois étendue à tout le pays, de résoudre les problèmes de l'alimentation de l'élevage. Pour les remercier de cette découverte, le président Sadat fit don au monastère, en 1978, de 1000 fédans de terre désertique, de 2 tracteurs et du forage d'un nouveau puits à pompe immergée, plus important que les 3 dont disposait déjà le monastère.
Le monastère dispose depuis 1978 d'une imprimerie qui lui permet d'éditer sur place ses diverses publications, tant en arabe qu'en langues étrangères. Par ailleurs, plusieurs livres du Père Mattel Meskine ont été traduits et publiés à l'étranger et connaissent une notoriété croissante. Aujourd'hui, le monastère Saint-Macaire vit en autarcie complète. Les excédents, joints aux dons des bienfaiteurs, leur permettent d'aider environ un millier de familles nécessiteuses en nourriture et en argent. Ce sont des laïcs proches du monastère qui assurent cette répartition. 17 siècles après Saint-Antoine et Saint-Macaire, les monastères du Wadi-Natroum se remplissent à nouveau et les déserts refleurissent. Un vaste mouvement de renouveau, dont sont à l'origine le patriarche Hénouda III, son prédécesseur Cyril VI et le père Mattel Meskine. Le sommet de la vie monastique est la vie érémitique au désert. Celle-ci représente l'épanouissement total de la vie du moine. Les jeunes qui entrent au monastère désirent tous vivre cette expérience, mais celle-ci, de par sa dureté et ses dangers, n'est réservée qu'à quelques-uns, souvent pour une durée limitée, ou aux plus anciens au terme de leur vie monastique. Les moines qui partent au désert à la suite du Christ s'exposent comme lui à être tentés par Satan. En effet, les démons revendiquent un droit de propriété sur le désert. À saint Antoine qui s'y est installé, il déclare « Va-t'en de chez nous. Qu'as-tu à faire au désert? Tu ne supporteras pas notre conjuration. » Est-ce que vous l'expérimentez également, ce combat? Ce combat, يعني هذه المعركة التي بين الإنسان والظلمة وعالم الظلمة أو وشيطان الشيطان بالمعنى المحسوس هي المعركة الداخلية أكتر منها معركة منظورة الإنسان ما بيهتمش بأنه يشوف الشيطان ويحاربه لأن ده موضوع يعني أحيانا كتير ممكن يكون فيه خداع ولكن الواقع أن الإنسان بيشوف التجربة والشيطان بيحاربه في نفسه يعني بيحاربه في علاقاته بالآخرين يبص يلاقي من حاجة تافهة صغيرة جدا وملهاش أي قيمة موضوع يعني ما يشغلش أي إنسان عادي يبقى كبير جدا في ذهن الواحد لما يبقى عايش في الهدوء والسكون ويحصل بينه وبين أخوه مشكلة بسيطة يلاقيها كبرت جدا بسبب إن جواه في حاجة بتأثر عليه يعني في حرب خارجية جاية من الخارج وهو بيستجيب لها من الداخل يعني نظرة يعني مثلا الشيطان بيستغل الظروف الخارجية علشان يأثر على الإنسان زي المسيح لما قعد 40 يوم في الجبل في البرية ما قربش عليه الشيطان إلا لما حس بالجوع أول ما حس بالجوع ابتدى
الشيطان يا رب يقول له إذا كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير خبزا. فالمسيح طبعا رد عليه وقال له ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فهو بالضبط الشيطان كان بيستغل باستمرار معانا الظروف الخارجية اللي بتحصل، ولذلك ما يقدرش الواحد يتوحد ويسيب الناس كلها وما يقابلش أي حد في الوحدة وفي العزلة بتاعته علشان يوصل لله. لا، لازم يحصل احتكاك وصلاة مع الآخرين. ولذلك المجمع الرهباني بيعلم أكتر، ولازم ضرورة للإنسان قبل ما يقدر يعيش وحده ويعيش في سلام وهدوء وعزلة بعيد عن الناس خالص، لازم يكون احتك بإخواته تبان عيوبه ويبان ازاي بيغلب الحرب الخارجية دي اللي بيجيبها لها اللي بيجيبها الشيطان علينا علشان نقع في العداوة، الحقد، البغضة، عدم الاحتمال، الغضب، الكلام ده. Lorsque le cœur se sent faible en tout cela, jusqu'à s'épuiser dans le labeur de ses luttes, alors Dieu, dans sa grande bonté et miséricorde, lui envoie une force sainte. Il affermit son cœur, lui donne le repentir, la joie et le soulagement du cœur, de sorte qu'il devient plus fort que ses ennemis qui, même malgré eux, craignent la force qu'il habite. Cette force dont Paul a dit « Luttez et vous recevrez la force », celle aussi à laquelle fait allusion Pierre lorsqu'il parle de l'héritage incorruptible et inflétrissable préparé dans les cieux pour nous, que la force de Dieu garde par la foi. Lorsque le Dieu très bon voit que le cœur s'est fortifié contre les ennemis, il lui soustrait la force peu à peu. Il laisse les ennemis l'attaquer au moyen de toutes les formes d'impureté, par le plaisir des yeux, par celle de la vaine gloire et de l'orgueil, de sorte qu'il devient comme un navire sans gouvernail qui se heurte de toutes parts. Lorsque le cœur se sent faible en tout ce que les ennemis lui font, alors le Dieu très bon qui prend soin de sa créature lui envoie de nouveau sa sainte force. Il affermit son cœur, son corps et tous ses membres sous le joug du Paraclet, car lui-même a dit « Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Alors le Dieu très bon commence à lui ouvrir les yeux du cœur afin que l'homme comprenne que c'est lui qui le rend fort. Il sait maintenant vraiment comment rendre honneur à Dieu en toute humilité et brisement de cœur. Comme le dit David, le sacrifice pour Dieu est un esprit brisé. Car l'humilité et le brisement du cœur viennent de la dureté du combat. Pas nécessaire d'user de beaucoup de paroles, mais il suffit d'étendre les mains et de dire « Seigneur, comme tu le veux, comme tu le sais, aie pitié de moi. » Et lorsque le combat devient plus insistant, « Seigneur, au secours !»
lui-même, sait ce qui nous convient et nous fait miséricorde. S'en revenant un jour du marais à sa cellule en portant des rameaux de palmiers, Abba Maker vit le diable venir à sa rencontre sur le chemin avec une dague. Celui-ci voulut l'en frapper, mais ne l'ayant pu, lui dit « Quelle force sort de toi, Maker, pour que je sois impuissant contre toi ? Car tout ce que tu fais, je le fais aussi. Tu jeûnes, moi aussi. Tu veilles, moi je ne dors pas du tout. » Il n'y a qu'un point sur lequel tu me bats. » Abba Maker lui demanda « Quel est-il ? » Il dit « Ton humilité. À cause d'elle, je ne puis rien contre toi. » Nous sommes dans la grotte du père Matal Meskin. C'est dans cette grotte qu'il venait vivre en solitude de temps en temps et parfois pour de longues périodes. Par exemple, en 1972, il y a passé plusieurs mois et c'est là qu'il a écrit son livre sur l'Eucharistie. Le père Mata avait commencé à creuser une grotte pour lui-même et en la creusant, on a découvert que c'était la grotte de Saint-Macaire. Alors, dès qu'on a reconnu que c'était la grotte de Saint-Macaire, le père Mata n'a pas voulu y habiter et il s'est creusé une autre grotte. Bon, il a séjourné ici pendant près de 6 mois, quand il a écrit son livre sur l'Eucharistie. Ce qui était primordial pour lui, c'était la vie spirituelle. C'était de vivre. Dès qu'on entre dans la vie spirituelle, on est avec le Christ, on vit dans le Christ et on vit, on est parvenu au but. Le Christ a dit « Je suis le chemin ». Dès qu'on a mis les pieds sur le chemin, on est dans le Christ et alors on est déjà parvenu au but. Alors il n'aimait pas beaucoup parler de couronnement ou de... Souvent il disait « La vie monastique n'est pas une caste religieuse. La vie monastique n'est pas autre chose que la vie de n'importe quel chrétien, méprise au sérieux. Et ce qu'il propose aux moines, c'est la même chose qu'il propose à tout chrétien. Autrefois, pour arriver au monastère, on devait prendre une caravane de chameaux pendant plusieurs jours. Maintenant, c'est pour quelques minutes, tout au plus une heure, on arrive du Caire au monastère. Cela fait que les monastères sont toujours tentés de quitter l'idéal de solitude pour un idéal de service au monde, le service du monde. Mais le père Matal Meskin a beaucoup fait pour garder, pour conserver au monastère l'aspect monastique, l'aspect de solitude. Le père Matal Meskin sera le père spirituel du monastère pendant 37 années. Jusqu'à son dernier souffle, il veilla à faire revivre l'esprit des origines des pères du désert et de Saint-Macaire. Et il œuvra inlassablement pour l'unité au sein de l'église copte et avec les autres églises.
Le père Matel Meskine a été enterré le 8 juin 2006, ici, à l'écart du monastère, à proximité de la colline des Ermites. Pour creuser une grotte, il faut trouver une colline dans laquelle il y a une couche rocheuse et au-dessous de laquelle il y a une couche de sable ou bien de pierre sablonneuse. Vous voyez ici, ça c'est la couche rocheuse, ça c'est la couche de sable. Bon, c'est très facile à creuser. Et c'est de cette façon qu'on a le plafond avec la couche rocheuse et on peut creuser la grotte dans le sable. C'était la meilleure façon de creuser une cellule. Quand on n'avait pas la chance de trouver une colline avec une couche rocheuse et du sable en dessous, eh bien on creusait simplement et on faisait le toit avec des palmes ou n'importe quoi. Toujours les grottes sont fraîches en été et tièdes en hiver. Voilà. Nous sommes dans la grotte de Saint-Macaire. Et comment avez-vous, quelle est l'histoire de la découverte? Le père Matel Meskine, en 72, avait essayé de se creuser une grotte. On avait commencé à creuser ici, et puis ensuite on a trouvé du sable qui sortait. On a déblayé tout le sable et finalement on a découvert que c'était une grotte. Une grotte qui avait été habitée par un moine. Ensuite, en déblayant, on trouve un long couloir, un très long couloir. Et c'est ce qui nous a fait comprendre que c'était très probablement la grotte de Saint-Macaire. Parce que dans la vie de Saint-Macaire, on dit qu'il s'était creusé un long couloir par lequel il s'enfuyait quand les visiteurs étaient trop encombrants. Et on nous dit que dans ce couloir, il disait 24 prières. On va voir le couloir attenant à la grotte de Saint-Macaire par lequel il s'enfuyait quand les visiteurs étaient trop encombrants. Voilà, ça c'est le début du couloir, mais c'est loin. Enfin, ça fait plusieurs dizaines de mètres. Et comme vous voyez, on marchait tout à fait courbé. Alors, on avait le temps de dire les 24 prières dont on parle dans la vie de Saint-Macaire. À une faible distance se trouve la grotte du père Mina, le premier compagnon du père Matel Meskine, l'un des 7 ermites du monastère Saint-Macaire. Il vit ici à la manière des premiers moines du désert. يتعلمه الإنسان في البرية أن يكون له حب صادق مع المسيح d'avoir un amour authentique, sincère envers le Christ. Et quelle expérience de Dieu fait-on? ما هو الاختبار الذي يختبره عن الله في البرية؟
واختبار الصداقة الشخصية الحميمة بالرب يسوع نفسه. On fait l'expérience de l'amitié personnelle, intime avec la personne du Seigneur Jésus. هو إحساس داخلي ب بعشرة الرب، إحساس داخلي واضح جدا بعشرة الرب. Le sentiment intérieur très réel, très vécu de l'intimité avec le Seigneur. Je suis avec vous. Merci.